abri. Le temps est à la neige et Lila n'est pas dans un bon jour. Je me gèle, j'ai l'impression que le chauffage marche mieux chez mamie. Chez elle, les radiateurs sont brûlants, alors que dans ma chambre, ils sont tout juste chauds. Et pourtant, ta grand-mère dit qu'elle a toujours froid, sourit maman. Ça ne veut rien dire, intervient Rémi. L'important, c'est la température finale qu'il fait dans la pièce. D'ailleurs, va voir dans ta chambre, il y fait 20 degrés. Ton thermomètre doit être détraqué. Il neige dehors, c'est pas normal que mon radiateur soit tiède. Tu sais, quand c'est bien isolé, les radiateurs n'ont pas besoin d'être très chauds. Nous, on bénéficie du chauffage collectif. C'est une grosse chaudière qui produit de la chaleur pour tous les appartements de la résidence. Pour notre confort, elle est réglée de manière à avoir 20 degrés en permanence dans tous les logements. En plus de l'isolation de l'immeuble, qui permet de bien conserver cette chaleur, le chauffage est doublement régulé, poursuit Inès. Au niveau de la chaudière qui réagit en fonction de la température extérieure, plus il fait froid dehors, plus l'eau envoyée dans les radiateurs est chaude. Mais aussi dans les logements, où chaque radiateur est équipé de robinets thermostatiques qui réagissent en fonction de la température de la pièce et permettent de la baisser si on le souhaite. C'est pour ça que dans une même journée, il peut passer de froid à tiède, de tiède à chaud, selon les mouvements du thermomètre. Donc un radiateur tiède ne signifie pas que le chauffage marche mal. Il signifie soit qu'il fait moins froid dehors, soit qu'il fait assez chaud dedans. Il signifie aussi que la facture de chauffage sera moins élevée, précise Rémi. En moyenne, 1 degré de plus dans la maison, c'est 7% de plus sur la facture et plus d'impact sur l'environnement. En tout cas, moi j'ai froid quand même, proteste Lila. En même temps, t'es la seule en t-shirt, lance Tom qui n'en loupe pas une. C'est vrai qu'en hiver, il est normal de porter un petit pull, approuve maman. Pense aussi à ne pas couvrir ton radiateur, rajoute papa. Poser des vêtements dessus ou mettre un meuble devant l'empêche de bien se réguler et de diffuser correctement sa chaleur. Hé, Lila, intervient Tom. T'as compris le message, là? Ça veut dire « range ta chambre ».